c'est toujours le souci, mais bon, il n'y a que comme ça où on peut venir gêner Rafa Nadal. Ah ouais, bien joué! Ah oui! Oh là là, quel retour! Qu'est-ce qu'il est loin? Ah oui. Belle, ça. Ouais, ça c'est lié, elle est belle, effectivement. Ouais, une possibilité de débreak. Ouais, bien sauvé. Quel beau déplacement là! Avantage Nadal. Voilà, voilà, la deuxième est la bonne. Jeu 7 et match. 8 jeux consécutifs pour Rafael Nadal. Pour s'imposer donc en deux manches et 1h11 sur la marque de 6-2, 6-0. Il était trop fort pour son match de reprise pour Jesse Levine, Rafael Nadal. On est rassuré, je veux dire, hein, sur le genou de Rafael Nadal. Ouais, j'ai vu des beaux. Alors, pour être vraiment très précis et technique, on a vu des bons dégagements pour faire le jeu avec son coup droit sur sa ligne de fond de court. Mais j'étais un peu moins rassuré là sur la petite balle. Alors, il mène aussi facile. La petite amortie là, dans ce jeu, mais bon, après, il gagne 6-2, 5-0. C'est pas non plus voilà, fait violence pour aller sur cette amortie. Mais en tout cas, au niveau du jeu et du haut du corps, il n'y a pas de souci. Hein. On voit qu'il y a toujours cette puissance, cette grosse cadence, ces gros lifts. Donc voilà, pas de souci pour Rafa Nadal. C'est une bonne entrée en matière. On va pas non plus jubiler sur la victoire sur Levine, mais bon, en tout cas, c'était plutôt pas mal. Ouais, il était largement favori de toute façon sur cette rencontre, le numéro 4 mondial. Jesse Levine est 135e à l'ATP. Il y a une vraie classe d'écart entre les deux hommes. On l'a vu sur les deux premiers jeux, hein, Jesse Levine qui a surjoué, qui était à 150%. Et au final, Rafael Nadal était vraiment le plus fort. Et en tout cas, on est vraiment, vraiment rassuré quant à l'état de son genou de Rafael Nadal, Arnaud.